J'espère que ça sera un retour comme Michael Jordan, hein, qui est un des comebacks les plus légendaires de l'histoire du sport. C'était pour le moins inattendu et l'intéressée elle-même a été prise par surprise. Françoise Berthiaud, ancienne échevine à Etterbeek, ancienne députée bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avait quitté la politique depuis 4 ans. Vous pensez qu'on hésite quand on reçoit un coup de fil de Georges-Louis Boucher ? C'était fini, c'était derrière. J'avais adoré mes 30 années de vie politique. J'avais fermé la porte, j'avais tourné la page, j'avais commencé une vie beaucoup plus artistique et j'avais jamais imaginé que la porte se rouvrirait. La voilà donc de retour à la maison, comme elle le dit elle-même, pour remplacer la ministre Valérie Glatini au poste de l'enseignement supérieur. Pendant ses 4 années passées à New York, aux côtés de son mari en poste à l'ONU, la libérale avait-elle entamé une carrière artistique, loin du monde politique. Pour le président du MR, Georges-Louis Boucher, les 15 années passées par les Etterbeekois sur les bancs du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été déterminantes dans son choix. On avait besoin de quelqu'un de directement opérationnel, qui connaisse les dossiers et qui puisse entrer dedans. Sachant que ce sont des matières très techniques, il n'y avait pas non plus des milliers de profils qui pouvaient répondre à ces caractéristiques. Femme d'expérience, experte des matières liées à l'enseignement, Françoise Berthiaud n'avait jamais occupé de poste ministériel. Elle entrera formellement en fonction le 19 juillet. Il lui reste donc moins de 2 semaines pour se préparer. D'ici là, vous comprenez bien que je vais aller un peu replonger dans l'évolution de tous les dossiers pour être justement absolument opérationnel, même sur le plan très technique. Et puis, à partir du 19 juillet, quand on compte bien, jusqu'aux élections, il restera moins de 11 mois, donc au boulot. Hein. Son arrivée au poste de ministre marque donc son retour en politique. Françoise Berthiaud sera candidate sur les listes MR aux élections de 2024.